Atlanta Assurance vous présente Automoto. Duel au sommet. Le segment des SUV tire parti d'une demande en pleine effervescence au point de constituer à lui seul un marché à part entière. Il y a désormais des véhicules de toutes les tailles, pour tous les budgets et même pour toutes les lubies. Le plus frappant est que ce genre automobile ne cesse jamais de se réinventer. Illustration avec le Bentayga, premier SUV du manufacturier Bentley qui a littéralement bousculé les codes du paisible univers des automobiles de prestige. Obligeant des firmes jadis récalcitrantes à l'idée d'un SUV dans leur catalogue à se placer dans la brèche. La chute des derniers bastions anglais se fait illico, donnant naissance à des pépites d'exception. Lamborghini Urus n'a pas tardé à montrer sa silhouette furtive, suivie du trop statutaire et inaccessible Rolls-Royce Cullinan. Prise dans la spirale de cette frénésie générale, d'autres marques de luxe ont opté pour le croisement du genre tout-terrain avec celui du coupé sportif, comme c'est le cas de l'Audi Q8. Indémodable, le Range Rover, lui, opère sa mue en adoptant de nouvelles motorisations hybrides plus sobres et efficientes. Histoire de rester dans le coup et de préserver son statut de tout-terrain de luxe le plus statutaire, le plus racé et le plus mythique de sa catégorie. Mis à part l'architecture hybride, l'opération de lifting apporte son petit lot de changements. Une rhinoplastie faciale lui procure un new look, tandis que la refonte des systèmes numériques le propulse au sommet des véhicules les plus branchés. Quant au Mercedes GLE, souffrant du sempiternel enquistement stylistique, il n'a plus grand-chose à dévoiler. L'Arbi vous livre dans sa chronique le fond de sa pensée sur la panne d'inspiration frappant ce modèle depuis des générations. On reste dans ce même esprit de gigantisme, mais cette fois-ci avec des véhicules professionnels taillés pour déplacer hommes et charges. Cette parenthèse dédiée aux artisans et autres professionnels de transport vous invite à découvrir l'essai des nouveaux Fiat Ducato et Renault Master. Mais aussi à prendre connaissance de toutes les dernières informations de l'ensemble du secteur automobile. Enfin, dans le segment des berlines compactes, la BMW Série 1 opère un virage à 180 degrés, adoptant ainsi une nouvelle plateforme et un profond rafraîchissement esthétique. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance.